Bonjour, je m'appelle Kautara et je vais partager mon histoire. J'ai grandi dans une famille de tradition musulmane et avec cette pensée que être musulman, c'est comme être né femme ou être né noir. À l'âge de 19 ans, je me suis rebellée contre cette idéologie. Pour moi, la religion, ce n'est pas un ADN, c'est un choix. Comme je n'avais pas de conviction religieuse particulière, je me suis déclarée déiste. C'est une personne qui croit en un Dieu mais en aucune religion. À l'âge de 21 ans, je vivais alors au Canada et dans une résidence universitaire, un ami musulman est venu vers moi et on a échangé sur nos convictions, nos croyances. Et à ce moment-là, il a posé la question qui a bouleversé ma vie. Es-tu heureuse comme ça? Et ma réponse a été négative et donc j'ai décidé de faire une quête spirituelle et de chercher vraiment la vérité. Et quelques temps après, cet ami est revenu vers moi et m'a demandé où en était ma quête spirituelle. Et comme ça n'avait pas vraiment abouti, je lui ai dit ben, que ce n'était pas vraiment glorieux. Et à ce moment-là, il m'a dit, moi, en tant que musulman, je m'attends à ce que toi aussi tu sois musulmane. Et j'ai pas su quoi dire face à cette réflexion. Et je suis montée dans ma chambre et devant la porte, j'ai levé les yeux vers le ciel et je me suis écriée, moi, musulmane? Jamais! J'en ai marre vraiment de toute cette recherche, j'abandonne. Et je suis rentrée dans ma chambre et je me suis affalée sur mon lit. Et j'entendais des chants de Noël et je me suis redressée d'un seul coup, comme frappée de lucidité. Et je me suis dit, Jésus, c'est Jésus la vérité! Après ça, peu de temps après, j'ai traversé une période vraiment difficile. Et c'est vraiment durant ce temps que j'ai appris à vraiment me reposer sur Dieu et connaître vraiment un ami. Et oui, maintenant, je peux dire vraiment que je traverse encore des moments difficiles, j'ai des moments de faiblesse. Mais cette fois, j'ai plus besoin de me reposer sur mes propres forces. Mais je peux vraiment compter sur un ami, sur Jésus. Et oui, maintenant, je peux dire que j'ai trouvé ma vérité et plus encore la paix.